Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous avons célébré jeudi l'Ascension. Le Christ a disparu physiquement à nos yeux, ce que nous a symbolisé le fait de souffler le cierge pascal. Mais il nous a promis de ne pas nous laisser seuls. Premièrement, il nous annonce le paraclet, celui que nous célébrerons dimanche prochain à la Pentecôte, celui qui sera symbolisé, dont le feu sera symbolisé parmi nous, par toutes ces petites roses rouges que nous aurons dans nos mains, et qui symbolise surtout cet Esprit Saint que nous aurons dans nos cœurs, et que nous avons dans nos cœurs. Mais la première lecture d'aujourd'hui, des actes des apôtres, nous parle d'autre chose. Il nous dit que tout de suite après l'Ascension, les disciples sont retournés à Jérusalem. Ils sont rentrés dans le cénacle et se sont mis à prier. Pas tout seuls. Ils étaient accompagnés par Marie et d'autres femmes. Les autres femmes, c'est Marie-Madeleine, Marie-Jacobée, Marie-Salomé, les saintes femmes qui viendront évangéliser notre pays, et dont on a fêté la fête cette semaine, les saintes Marie-Jacobée et Salomé, c'est les saintes Marie de la Mer, celles qui sont célébrées par nos frères gitans, qui ont été célébrées ce mercredi. Marie-Madeleine, on la connaît encore plus, est la plus importante, car nous la célébrons durant tout ce mois qui est en train de se terminer tout doucement, c'est Marie, la mère de Jésus. On a toujours célébré ce dimanche après l'Ascension comme un dimanche, j'allais dire ordinaire, mais avec cette petite mémoire de Marie au Cénacle, ou aussi dans d'autres communautés sous le nom de Notre-Dame de l'Espérance. Car elle a maintenu l'espérance des disciples, elle a maintenu l'espérance des apôtres en restant avec eux en priant. Mais imaginez cette mère qui a vu déjà, qu'on a vu de toutes les couleurs, pour reconnaître, les 33 ans de vie avec le Christ n'ont pas été ce qu'il y a de plus reposant pour une maman. L'enfance compliquée, c'est qu'il y a le déjà. La création de l'enfant déjà compliquée. La jeunesse qui jusqu'à l'âge de 3-4 ans a été amplement difficile. L'adolescence. Les évangiles ne nous racontent qu'un événement, mais c'est déjà, j'allais dire, beaucoup. Quand votre enfant à 12 ans fugue pour aller au temple, rester là à enseigner les docteurs de la communauté, alors qu'il a 12 ans, et qu'en plus, quand vous lui dites quelque chose, il vous répond, mais ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père, même sachant qu'elle avait le Fils de Dieu, je pense que pour une mère, c'est dû être des moments à chaque fois très difficiles. À 30 ans, il commence sa vie publique. Sur le coup, ça commence, je dirais, même plutôt bien. Des miracles partout, des foules en liesse. Ça donne envie. Mais bon, très vite, il y a quand même la moitié des gens qui veulent le tuer. Notamment tout ce qui est peuple, prêtre, romain, tout ce qui est personnalité en vue à l'époque se disent oui, bon, celui-là, il commence à devenir dangereux. Et Marie assiste à la mort de son fils. Il ressuscite au bout de 3 jours. Il est parmi eux pendant 40 jours, il est avec eux, il est présent, il leur parle, il s'occupe d'eux. Il est avec sa mère. Mais voilà qu'au bout de 40 jours,
femme. Imaginez ce que c'est pour cette femme qui a vu son fils mourir, avec la douleur que ça engendre, revenir à la vie, ça, encore mieux, mais aussi le voir repartir. Il n'est plus là. Il n'est plus avec eux. C'est une double douleur, je dirais. Une double souffrance. Elle n'a plus son fils avec elle. Et pourtant, on nous dit qu'elle va prier avec les apôtres. J'allais dire qu'elle les soutient. Mais n'est-ce pas tout simplement ce qu'elle fait avec nous tout au long de nos vies? N'est-elle pas en permanence avec nous à nous soutenir? Je dirais même plus, c'est peut-être parce qu'elle a vécu tant de choses qu'elle nous comprend aussi bien. Si dans tous les sanctuaires, parce que ce mois-ci, le mois de mai, a vu les pèlerinages à la Vierge, plein. Lourdes vient de terminer le pèlerinage franciscain qui a vu de nouveau des foules immenses sur l'esplanade de la basilique. Nos propres lieux de pèlerinage en Alsace, parce qu'on est quand même une terre riche à pèlerinage Mario. Il n'y a pas un canton qui n'a pas son lieu de pèlerinage dédié à la Vierge. Ça a été plein durant tout le mois de mai. Mais pourquoi? Parce que les gens vont se confier à Marie, soit, j'allais dire, sous la forme de la Vierge des douleurs portant son fils mort dans les bras, c'est régulier en Alsace, soit la Vierge à l'enfant, soit la Vierge immaculée, c'est-à-dire seule, les bras ouverts, accueillant toutes et tous. C'est parce que Marie, tout au long de sa vie, a vécu tellement de choses que chacun de nous, nous pouvons nous y retrouver. Puis c'est aussi, et c'est ce qu'on fête aujourd'hui, d'ailleurs bonne fête à toutes les mamans, c'est la fête des mères. Et Marie est avant tout une mère. Le Christ nous l'a laissée comme mère sur la croix. Quand il dit à Jean, voici ta mère, c'est pas qu'à Jean qu'il le dit, c'est à nous toutes et tous, il nous la confie. Et je dirais qu'aujourd'hui, plus que d'habitude encore, en plus de célébrer nos mamans, ce que j'ai pas oublié de faire. En plus de célébrer nos mamans, nous célébrons notre maman du ciel. Elle, vers qui on peut toujours se tourner. On sait que des fois, c'est compliqué, les relations enfant et mère. Des fois, ça peut être dur. Il y en a une avec qui c'est jamais compliqué, Marie. On peut se tourner vers elle. On peut lui parler. Elle sera toujours à notre écoute. Et s'il y a encore tant de monde, tant de pèlerins qui se rendent dans des lieux qui lui sont dédiés, c'est bien parce qu'elle écoute et que toutes et tous se sentent écoutés. Et surtout qu'ils sont exaucés. C'est un des grands paradoxes d'ailleurs du christianisme actuel, la plupart des églises se vident, mais les lieux de pèlerinage à Marie, et à Saint-Joseph aussi, se remplissent. C'est la grande surprise, j'allais dire, à chaque fois, de ceux qui font des statistiques, parce qu'on aime faire des statistiques, hein, partout dans le monde, maintenant, on compte tout le temps. Et ceux qui font des statistiques sur la religion chrétienne sont toujours un peu dépités. Ah, les paroisses se vident, les paroisses se vident, oui, bon, ça, c'est un constat qu'on a tous fait. Mais les pèlerinages se remplissent. Il y a de plus en plus de fréquentation dans les lieux de pèlerinage. Peut-être parce qu'on se sent plus écouté. Peut-être parce qu'au niveau pastoral, le clergé aussi se met peut-être plus à la disposition et à la disponibilité des fidèles. Puisque ceux qui viennent en pèlerinage demandent à être écoutés, à être entendus. On a besoin de se confier à Jésus,
par Marie. Par Saint-Joseph aussi. Je n'oublie pas, parce que c'est l'évêque périnal de Saint-Joseph se grandissent aussi beaucoup. Et puis parce que je reste persuadé que c'est qu'ils bossent tous les deux ensemble. Et qu'il ne faut pas les dissocier, parce que tous les deux ensemble, ça fait des merveilles. Est-ce que nous ne devrions pas, avec le temps, justement, revoir un peu, dans nos communautés, tout ce, cette pastorale, être à l'écoute, être ouvert en permanence. Et je dirais même encore plus, faire ce que fait Marie, donner l'espérance. Un lieu où l'on va, mais où on nous parle de nos problèmes à longueur de temps. Un lieu où on va le dimanche, mais où on nous assomme avec l'actualité. C'est pas ça qui va nous aider à sortir de notre souffrance, de nos douleurs, de nos problèmes. C'est pas ça non plus qui va nous aider à grandir et à évoluer. Comment on donne l'espérance? Quand on parle d'un message d'amour, d'un message de lumière, d'un message d'espoir, ce que fait Marie, là, chacun peut trouver à sortir de soi-même, à comprendre que dans la vie, il n'y a pas que les soucis, il n'y a pas que notre environnement, mais qu'il y a aussi quelque chose de bien plus grand, de bien plus haut. Alors ce matin, quand on a ouvert le cadeau de maman, il y avait une phrase de Saint-Hildegard de Bingen qui était glissée avec. Je vous la lis parce que j'ai trouvé ça superbe. Regarde-toi, tu as en toi le ciel et la terre. Et nous sommes, chacun de nous, une image de l'univers entier. Le ciel et la terre. Et je dirais que notre vie de tous les jours, ça nous rappelle bien qu'on est terrestre. Bon, il n'y a pas de doute. Mais alors que notre passage à l'église, que notre passage dans la prière nous emmène dans notre partie céleste et nous rappelle que nous sommes aussi le ciel en chacun de nous. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes le ciel et la terre. Et Marie nous aide à nous rappeler cette réalité. Elle aussi, elle a dû être confrontée sans cesse à des problèmes purement terrestres qui l'ont, n'ayons pas peur du mot, qui ont dû la bouffer de l'intérieur comme nos angoisses nous bouffent, comme nos problèmes nous assomment du matin au soir. Mais, et elle l'a vu vraiment, elle avait le ciel en elle, le Christ. Mais nous avons cette opportunité, chacun de nous, par les sacrements que nous avons reçus, par l'Eucharistie que nous recevons, où le ciel visite la terre, par l'action de l'Esprit Saint que nous invoquons en ce moment. Je vous rappelle que nous sommes dans cette neuvaine de la Pentecôte, entre l'Ascension et la Pentecôte, où nous supplions l'Esprit Saint. L'année dernière, on avait nos confirmants qui faisaient leur neuvaine à cette période-là, entre l'Ascension et la Pentecôte, pour demander l'Esprit Saint. C'est vraiment le moment pour demander à Dieu de travailler en nous, d'agir en nous. Et c'est peut-être là aussi où nous pouvons prier Marie, en lui disant, mais toi, l'Esprit Saint, il a travaillé en toi durant toute ta vie. Alors, il a bien travaillé au début, il a formé Jésus-Christ en elle. Mais il peut le faire naître en nous aussi. Pas tous comme Marie, on ne va pas tous. Mais il peut, l'Esprit Saint fait naître le Christ en nous. S'il n'est plus présent physiquement avec nous, l'Esprit Saint le fait naître en nous d'une manière différente. Et Dieu est en nous en permanence. Mais cela, des fois, on ne sait pas le demander. On ne sait pas comment faire pour demander. Eh bien, Marie est là. Demandons donc aujourd'hui
à la Vierge Marie de prier avec nous pour que l'Esprit Saint naisse et grandissant, que le Seigneur se fasse sentir en permanence dans nos cœurs, dans nos âmes, pour que tout doucement, petit à petit, nous nous élevions sur ce chemin qui nous conduit vers le ciel. Le Christ nous a montré la route à l'ascension. Je l'ai dit, il n'est pas monté aux cieux juste pour lui, ça ne sert à rien pour lui tout seul. Il est monté aux cieux pour nous dire c'est là que vous devez aller, voilà le chemin. Et pour cela, il nous donne Marie pour nous conduire sur ce chemin, pour nous aider, pour nous accompagner. Alors, aujourd'hui, supplions Marie qu'elle porte toutes nos prières vers son Fils, qu'elle lui demande de faire jaillir en nous son esprit d'amour et de force. Et qu'elle se montre toujours pour nous une mère aimante,